Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumendé, à Boumé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin, ce Free Matin, Imelda Bada, bonjour. Bonjour Kader, vous êtes bonjour chers amis. Promotrice du Festival Zobin, qui est à sa troisième édition. Vous êtes là ce matin pour nous parler des innovations de cette troisième édition qui se déroulera à Okéowo. C'est bien et bien ça, bien dans sûr. La commune de Savin. Alors, d'entre les jours, vous avez rappelé à nos amis internautes qui peut-être ne connaissent pas le Festival Zobin. C'est quoi? D'où est partie l'initiative? Le Festival international Zobin, c'est un festival de valorisation du patrimoine culturel immatériel béninois. Et quand on parle de patrimoine culturel immatériel, on parle de tout ce que nous avons hérité de nos parents. On parle des danses, on parle des mets, on parle des habitudes vestimentaires, on parle tellement de choses que nous sommes en train de perdre aujourd'hui. Et ce patrimoine valorisé poussera déjà à l'interne à avoir plus d'amour pour le Bénin et à inciter les autres à nous aimer, du coup, à aller sur le pont du tourisme. Parce qu'à travers ce qu'on viendra découvrir au Bénin et ce qu'on fera découvrir de l'extérieur du Bénin, eh bien, les autres n'auront pas le choix que de venir sur place voir ce qui est réellement. Pourquoi elle est baptisée Zogbin? Zogbin, c'est la lampe, c'est la lumière. Et vous conviendrez avec moi que nous avons eu à hériter, nous autres, d'un aspect plutôt négatif de notre culture en général. On taxe directement notre culture de sorcellerie, de méchanceté, bien que la sorcellerie ne soit pas limitée en Afrique, parce que toutes les civilisations ont connu la sorcellerie et le pratiquent d'une manière ou d'une autre jusqu'à aujourd'hui. Donc, je trouve limite malsain que cela soit caricaturé sur notre culture à nous. Et le Zogbin, justement, c'est pour mettre la lumière, parce que pour pouvoir voir quelque part, il faut que la lumière soit allumée. Donc, si la lumière s'allume, si on doit nettoyer, on doit enlever des toiles d'araignée éventuellement, on doit épousseter, si vous voulez, eh bien, cela se fera. Donc, le Festival international Zogbin, c'est déjà de mettre la lumière. Et après, quand la lumière est, le reste suit. Pourquoi vous parlez de festival international? Est-ce que ça dit que l'organisation peut parfois se délocaliser hors du Bénin ou... Le festival, à l'essence, était parti pour se faire hors du Bénin. Mais quand on parle du patrimoine, en général, on est déjà guidé. On est guidé et l'essence même de la chose se fera quand nous allons réussir réellement à transposer notre culture sur le toit du monde. Donc, c'est l'objectif même du festival. Nous avons essayé les années précédentes, la première édition qui s'était retrouvée en plein Covid, mais nous l'avons quand même fait en faisant suivre par les concitoyens et les amoureux du Bénin qui sont hors du Bénin, le festival. L'année dernière, pareillement, nous l'avons fait depuis le palais du roi d'Akodono à Boïkon. Et ils ont pu suivre. Donc, l'essence du festival, c'est de pouvoir, à travers ce festival, faire vivre le Bénin au Bénin et hors du Bénin également. Alors, cette année, vous avez choisi la commune de Savin. Pourquoi le choix de cette ville?
C'était pas, enfin, le choix, c'est, on va dire qu'il y a plusieurs localités qui nous ont conviés. Il y a plusieurs endroits et chaque fois, on demande l'histoire parce que chaque peuple, on va dire, entre griffes, ont leur histoire. Et du coup, nous avons discuté au sein du comité préparatoire du festival et nous avons choisi le village de Kéo qui est situé dans l'arrondissement de Lokpara, dans la commune de Savé. Et cette particularité a été que nous avons retrouvé sur place le croisement de deux aires culturelles. Laquelle ? Il y a l'aire culturelle Yoruba et l'aire culturelle Fon qui se croisent là. Et la particularité, c'est qu'à Okeo, nous avons des maris qui vivent en milieu Yoruba, si vous voulez, un petit peu. Et c'est vrai qu'ils parlent aussi le tchabé, si vous voulez, mais c'est un petit peu ça. Mais qu'est-ce que vous voulez montrer à tous ces festivaliers qui auront envie de se rendre à Okeo pour vivre cette troisième édition-là? Nous aurons le PCI en miniature, parce que quand on parle du PCI, c'est quoi ? Le patrimoine culturel immatériel béninois. Nous l'aurons en miniature pendant 3 jours. Nous aurons pas seulement les patrimoines de Savé, mais nous aurons les patrimoines du Bénin. Nous aurons déjà... Et quand on parle du patrimoine du Bénin, vous faites allusion à quoi de façon spécifique ? Nous parlons des danses. Oui. Nous parlons de l'art culinaire, oui. Nous parlons de l'art vestimentaire, nous parlons des jeux, nous parlons de films également, parce que nous avons lancé un appel à films béninois. Et peut-être si aujourd'hui il y en a qui sont intéressés, qui veulent bien faire concourir leur film, qu'ils aillent sur notre site www.festivalzoubin.com pour envoyer leurs films ou documentaires. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de films. Nous avons même un film qui a beaucoup tiré notre attention, Le Griot Bariba, que nous allons partager avec les festivaliers, certainement, parce que moi, c'est un petit coup de cœur également. Et donc, il y a tout ça au fait que nous allons vivre pendant 3 jours déjà. Apprendre déjà dans un premier temps que notre culture, déjà, il y a l'aspect culturel et l'aspect cultuel. Donc, ce n'est pas pour venir faire des initiations pendant 3 jours. Je pense que déjà, il faudrait enlever ça de la tête des gens. C'est l'aspect vraiment culturel que nous allons mettre en exergue. Parce que le culturel est réservé à un certain nombre de personnes. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes ont tendance à véhiculer pour faire peur au commun des Béninois et aux étrangers, le vaudou ne va pas vers tout le monde. Donc, ceux qui voudront être initiés iront faire le parcours, le cheminement qu'il faudra pour pouvoir le faire. Alors, Imel Labada, comme vous le disiez tantôt, le festival se déroulera durant 3 jours, c'est-à-dire de quand à quand ? Quelles sont les dates ? Le festival sera du vendredi 11 août 2023 au dimanche 13 août 2023. Alors, quelles sont les innovations de cette édition-là ? Quelle est la particularité de cette édition ? Cette édition, nous avons voulu le faire réellement et concrètement avec tous les acteurs qui sont sur le terrain. C'est-à-dire oui. que nous avons déjà en amont pris des attaches avec déjà les responsables au haut niveau, mais également les responsables décentralisés. Les responsables au plus haut niveau, vous faites allusion à qui par exemple ? Nous avons situé les responsables au niveau du gouvernement déjà, oui. à qui nous avons soumis le projet. Nous avons également déjà, donc de manière décentralisée, oui. Soumis également le projet au préfet des collines et du Zou, du coup, parce qu'il a les deux préfectures qui les gèrent. Nous avons également soumis le projet à la mairie de Savé et de manière plus décentralisée au CA de Lokpara dont dépend directement Okeo où se déroulera le festival. Donc nous allons le faire avec ces acteurs déjà et également nous allons mettre en avant tout ce qui se produit de manière locale au niveau de Savé et des collines du coup
Donc, ce ne serait pas que pour Savin. Et nous allons embrasser du coup, faire la promotion du consommé local des collines. Et donc, voilà un petit peu. Est-ce que la participation à ce festival est souscrite, j'allais dire, à une contribution? Non, du coup, là, nous allons sur une participation patriotique, au fait. Donc, nous n'avons pas... Le festival est gratuit. Oui. L'accès est gratuit. Et nous avons demandé à ce que chacun apporte sa contribution à la hauteur de ses capacités. Donc, les bonnes volontés sont conviées à nous aider, justement, à pouvoir le faire. Parce que nous savons tous que ce qui est nôtre nous coûte aujourd'hui plus cher que ce qui vient d'ailleurs. Ce qui ne devrait pas être le cas parce qu'il y a un manque d'acheteurs sur le terrain. Ce qui fait que, voilà, nous avons tous vu ce qui s'est passé quand il y a eu des problèmes depuis un certain temps au niveau de l'Ukraine pour les trucs qu'on envoie au Bénin. Et pour parier à ce genre d'éventualité, il faudrait que nous puissions réellement faire ressurgir nos productions locales, et le festival va dans ce sens également. Parce que si, par exemple, pour le manioc, qui fait partie des produits les mieux cultivés au niveau d'Okéo, par exemple, nous arrivons à faire le nécessaire pour que ces produits prennent réellement l'élan qu'ils doivent prendre, je pense que nous n'allons plus nous plaindre de ce que les autres ne nous envoient pas leur farine, puisque nous aurons la farine de manioc, par exemple, à volonté. À volonté. Il y a quelques semaines ou quelques jours, je vais dire, on nous a vu être reçu par l'ambassadeur du Bénin près de la France. Oui. Alors, est-ce ça dit que la diaspora aura une contribution dans l'effectivité de ce festival, cette édition-là? Le festival est initié déjà par la diaspora. C'est l'association Partage Diaspora Béninoise qui est l'un des porteurs aujourd'hui de ce festival. Donc, la contribution de la diaspora, je l'ai toujours dit, ça ne se limite pas au Western Union ni au MoneyGram. La diaspora a beaucoup de responsabilités. Et parmi ces responsabilités, justement, la promotion du Bénin faite à l'étranger nous incombe également, membres de la diaspora que nous sommes. Que vous êtes. Alors, Imel Damada, un mot pour conclure cet entretien sur le festival. Je pense que je demanderai à chacun et à tous de faire le nécessaire pour que nous puissions aller dans le sens que le président Patrice Talon est en train de nous montrer depuis 2016 sur ce qui est nôtre. Parce que si nous voulons réellement que le Bénin s'en sorte, si nous voulons réellement être fiers d'être béninoises et béninois, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, nous devons contribuer parce que rien ne descendra du ciel. Moi, je vis en France, je vois comment la France valorise son patrimoine, je vois comment les choses se font et j'invite chacun, que ce soit des responsables ou non, à faire le nécessaire dans ce cadre, pour que nous puissions réellement être fiers d'être béninois. Notre culture reste notre culture. Qu'on nous dise que notre culture n'est que négative, ce serait du leurre, parce que même en France, vous pouvez regarder aujourd'hui sur Google, vous allez voir, même il y a des sanguinaires de l'histoire française qui sont quand même là. Vous allez voir les panthéons qui gardent ces mémoires. Et nous n'allons pas effacer notre mémoire pour espérer être. Et j'aime bien un proverbe yoruba qui dit ceci, que je vous traduis en français, la rivière qui s'éloigne de son lit s'assèche. Je ne suis pas dans le panafricanisme destructrice, mais je suis pour pouvoir aimer les autres et demander à être aimé, que nous puissions d'abord nous aimer nous-mêmes. Nous devons connaître notre culture, nous devons connaître notre patrimoine, nous devons connaître qui nous sommes pour pouvoir arriver à ces fins. Donc, pour pouvoir aller dans le sens du PAG qui demande à ce que le Bénin soit révélé au monde, cela ne pourra être sans notre amour, sans nous connaître, sans que nous ne puissions réellement prendre à bras le corps ce qui est nôtre. Donc, j'invite chacun de nous à faire ce pas dès maintenant, pour que nous puissions réellement révéler le Bénin au monde.
Merci à vous, Imelda Bada, qui a pour ambition de révéler le Bénin au monde. Je rappelle que le festival Zogbin est pour la valorisation, j'allais dire, du patrimoine culturel immatériel béninois. C'est pour la promotion également du consommant local. C'est une initiative qui est portée par l'association Partage Diaspora Béninoise. Merci une fois encore, Imelda Bada. Je rappelle que vous êtes la promotrice de ce festival international qui a sa 3e édition. Voilà, chers amis internautes, le festival s'est prévu pour août prochain à Okéo, dans la commune de Savet. C'était à l'instant l'invité de ce matin, ce Fruit Matin. À présent, on installe Anel Do pour la page des sports.